Moi, je suis vieux comme souhait. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, nous, ça va très très bien. Moi, en tout cas, ça va. Et toi? Un peu, j'ai un peu de couverture. T'as un peu de quoi? De couverture, mais ça va. Ça va, Marie. Et toi, ça va? Bon, ça va super bien. La semaine prochaine, on reprend toutes les activités. Yeah! Quelle activité? Bah, on ouvre les magasins, on ouvre les restos, ah, les terrasses, c'est super j'avoue. Bien. Donc... J'espère que vous allez réserver vos terrasses parce que sans réservation, ça va être compliqué. Vraiment ah. Ouais. J'espère que vous avez des balcons. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça sera une vidéo qu'on n'a jamais fait, que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Mais je vois que ça cartonne un peu sur YouTube et je veux faire aussi. Hein. Je réagis à vos pires motifs de rupture. Est-ce que quand tu as des pires motifs de rupture, tu as des motifs de rupture, franchement, tu t'es demandé raï. Que ce soit toi ou bien que ce soit quelqu'un d'autre. Pourquoi je fais pas ça? Tu fais chose d'amour. Tu n'aimes pas. Moi, la chose d'amour. De pire rupture. De pire motif. Ouais. Ah ouais? T'es sûr? Oui. J'ai une genre, enfin, j'ai fait un bon choix parce que j'ai bras d'autres pour te rencontrer. Y'a un bébé. En fait, tu souhaites. Avant de commencer, quand même, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous, hein? Franchement. Franchement, c'est pas méchant. Comme il dit là, on paye pas. Arrêtez ça, abonnez-vous. Et puis surtout, surtout, likez la vidéo. Likez parce que, en fait, plus vous likez, plus la vidéo est proposée à d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Genre, ça apparaît dans leur. Ouais, ça apparaît dans leur vidéo YouTube. Et likez, voilà. Likez, ça compte rien. C'est juste clique, ça compte rien, mon frère. Tu likes, c'est ça le. C'est comme. Comment on fait? Tu likes. Tu t'abonnes, tu partages. Tu partages et surtout tu commentes parce que ça fait plaisir quoi. Et tu mets dans ta story. Ah. Et tu n'oublies pas de me mentionner. D'ailleurs, je laisse mon compte Instagram juste là. Que tu puisses me suivre. Et puis voilà, les personnes qui s'abonnent à l'ancien compte que j'ai créé quand j'ai perdu mon compte. Je peux pas supprimer parce qu'on ne sait jamais en fait. Imagine, je perds encore. Je suis traumatisée. Hein. Donc, arrêtez de vous abonner là-bas parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Mon seul et unique compte Instagram, c'est celui-là en tout cas pour le moment. Est-ce que vous voulez que je laisse vos comptes? Oui. Moi, ils me connaissent déjà. Donc après, moi, je pense qu'on se connaît, ouais. Pas besoin parce que j'ai supprimé mon compte aussi bientôt. Pourquoi? Parce qu'on aura un compte joint. Les gens cherchent compte joint, compte bancaire joint. Moi, c'est compte Instagram joint. Ouais. Et que t'as quoi, mon frère? T'as quoi? En tout cas, franchement, t'as quoi pour le dire? Je dis terre. Alors, on va commencer la vidéo. On va pas trop tarder. Le premier, c'est j'ai dit au gars qu'il est musulman et que si ma maman apprend, elle va se fâcher. Moi, je trouve que c'est pas un pire motif. Vous savez que les trucs de religion, je suppose que la personne est en Côte d'Ivoire. Les trucs de religion. Quand tu vas même en France, c'est. Quoique, mais je veux dire, les trucs de religion en Côte d'Ivoire, si tu es musulman. Elle dit quoi? J'ai dit au gars qu'il est musulman. Donc, je suppose que sa maman est très, très chrétienne. Quelque chose, tu sais que ça a posé problème. Si tu as la possibilité de garder son début, il faut garder. Non, elle voulait pas. Elle voulait pas. Donc, c'est pour ça qu'elle dit à la gaka gâtée. Parce que c'est pas un motif. Vous, là, c'est vrai qu'on est en 2021, mais il y a des histoires de waouh. Je sais qu'elle essaie de waouh. Mais, genre, elle voulait plus le gars. Si, si, moi aussi, je pense que ouais. Non, quand tu viens cliquer des bas pour ça. Même si c'est. Ah, il s'est arrêté. On n'a pas dit pas les choses de l'amour. Mais tu connais. J'ai oui dit. Non, mais à l'époque, elle voulait plus. Sinon, là, elle pouvait. On peut faire. Tu peux te battre. Pour ton amour. Et puis, elle a dit pire motif. Je suis sûre que c'est parce qu'elle voulait. Parce qu'elle a dit que si ma maman après, elle voulait plus. Dans les choses. Elle voulait plus. Tu peux faire souhait. Moi, tu m'as dit souhait, je te bouge. Le coyoué. Vous, la prochain motif. J'ai dit que l'amour ne suffit pas. Le gars m'a correctement insulté. Bah, ça, moi, clairement, c'est que moi, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord. Il a bloqué. Il a correctement insulté. L'amour ne suffit pas. Je suis désolée. L'amour ne suffit pas. Oui, non, ça, par contre, ma chérie, tu as bien fait. L'amour ne suffit pas. Tu as bien fait. La preuve, il est parti. Quand tu dis qu'on n'est pas les choses, c'est l'amour. Il faut te donner les explications. Non, mais l'amour ne suffit pas là, c'est important. Oui, l'amour ne suffit pas, clairement. Mais là, il y a des choses là. Tu sais que là, tu aimes la personne. Mais c'est qu'en fait, je pense qu'il y a des finances. Elle l'a touché. Elle a touché un côté. Non, c'est pas ça. Asso, dans l'amour, là, c'est pas que l'amour. Il y a les finances. Il y a le loisir. Il y a le partage. Il y a le sexe.
En fait, tu peux aimer la personne, mais si vous n'avez pas le même langage, et que si ça la personne même veut pas comprendre ton langage et tout, c'est chaud. C'est clair que ça suffit pas. Non, mais c'est pas plus la blocage. Il est frustré. Il n'est pas bloqué, correctement insulté. Oh. Ça, ça dit la job base. Genre, l'amour suffit pas de faire quoi ici. C'est ça? Comment ça? C'est lui qui l'a dit. Oui, bien. Non, c'est pour ça qu'elle s'en va, c'est un motif de. Elle a bon en fait. Par exemple, tu vois, un truc. Relation à distance. Tu peux dire ça, que l'amour suffit pas. Parce que tu as besoin de partager des moments avec cette personne. Il dit, il a vu dans son songe que j'allais le boire, donc il préfère anticiper pour ne pas avoir mal. Bêtise, t'as il a vu dans son songe qu'elle allait le boire. Donc il anticipait, il a le bras mieux. Il y a des gens qui peuvent se graver. Il a vu dans son genre. Est-ce que vous savez ce que c'est un songe? Putain, tu dors et puis en fait les songes c'est des rêves prémonitoires. Dans le rêve, ils sont. C'est un rêve prémonitoire. Donc toi tu dors et puis tu rêves que ta go. Moi je dors et puis je rêve que Eko va me faire. Tu l'as vu le dos par donc, exemple. Pour ne pas que ça reste 6 mois là. Moi je mets le bras, il anticipe en fait. Ah, je peux faire comme ça. Il te prépare en fait. Les enfants des pharaons des. Il te prépare mentalement. Toi tu es Moïse ou bien tu es Abraham. Toi tu as vu dans son songe que moi tes bras, donc tu as mes bras. Tu m'excuses, Abel. Et quand même. Il m'a dit qu'il n'a plus la conviction d'être avec moi. Or, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Or, une semaine avant, Dieu lui aurait dit que j'étais sa femme. Hé, hey, les choses des chrétiens. Hé, hey, ça, c'est un franc, Chris. C'est un franc. Hein? Action vérité. Action. Dégage. Elle sortait avec un gars. Et puis, pour la branle, il lui a dit que. Il n'a plus la conviction d'être avec elle. Or, tout ce qui n'est pas conviction est un péché. Vous, là, les chrétiens se font les bimés. Tout ce qui n'est pas conviction. C'est-à-dire que pour me croire, tu dois prendre un passage. De la Bible, en fait. Puis tu viens, tu me donnes. Tout ce qui n'est pas conviction est un péché. Donc, pour des proverbes. En soi. N'a pas peur. Mais moi, c'est le bims qu'il a fait avant. Il a dit à la fille que. Il a vu. Il a vu. Qu'elle est sa femme. Finalement, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Peut-être qu'il a rêvé, il a vu une autre. Oula, les choses des chrétiens, c'est dur. Hein. Peut-être que c'est un musulman. Non, c'est pas un musulman. Prochain. Je lui ai dit que j'étais concentrée à chercher école pour ma licence, donc je ne peux plus continuer. Oula, quand vous n'aimez pas les gens, là, dites-le clairement. Je ne t'aime plus. Ça ne mange pas de pain. En plus, ça a le mérite d'être clair. C'est quoi ça? Peut-être que c'est sa licence. Tu es concentré comme moi. Lui peut t'aider. Il peut t'aider à trouver la licence. Tu es en train de chercher la licence. Oui. C'est un master. Master, t'es dur que ce soit la force pour avoir. C'est un master. C'est une licence que tu cherches. Donc tu me laisses. Non, t'as pas besoin de deuxième, c'est ça, c'est ça. Je te dis. C'est dans deuxième qui sont même là. L'amour, mais tu fais. Là, on te crépite et crépita. C'est ça, tu as tu bosses sur cette vidéo. Hey! Continue. Non, c'est une femme. C'est une femme. Attends, ouais. Il n'a pas une skin qui est routine. Il veut partir. Non. Il veut partir. Il n'a pas une. Non, vidéo, ça va. Mais faut lui apprendre. Attends. Tu l'aimes pas, ouais. CP. Attends. Il n'a pas une skin qui est body care. Non, après, ça dépend de comment elle s'est ancrée dans sa vie. Ça, tu sais, voilà, si un genre, c'est un truc fondamental dans une relation, elle a raison. Mais il fallait le dire au début. Mais tu peux la. En fait, genre, glisse sur la. Non, après moi, je peux la comprendre dans le sens où. T'as pas de routine. On va basculer sur l'autre. Elle n'aime plus. J'ai un petit nom de bébé. Tu peux dire, il y a acheté des produits, mais t'as pas de routine. Peut-être qu'elle a fait, mais ça fait pas. Il fait pas. C'est qu'il aussi fait. C'est ça, il a dit à basculer sur un autre motif. Sa bouche sentait tellement que j'ai rompu. Ça aussi, c'est une routine en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui est sale. Non, c'est les règles. Les règles d'hygiène. Ou peut-être qu'il a vraiment de froid. Mais après, tu sais qu'une bouche qui sent. Il a de froid là. Oui, bouche qui sent, c'est pas forcément mauvaise hygiène buccale. Hein. Ça peut être une maladie, etc. Cette chienne. Elle essaie de comprendre.
Oui, c'est... Voilà. Et ça bouge son tête tellement. Après, moi, je dis que si tu tiens à la personne, tu peux lui dire que... Ah, il odeur de bouche, c'est vrai que c'est gênant. C'est la chose, première chose que tu vois quand, quand tu vous réveilles. T'imagines et que tu sens. Tu es énervé comme ça. Salut bébé. Ah, en plus, c'est bien parler dans la bouche. Ils aiment rentrer dans ton, espace personnel. Dans ton espace intime. Ils aiment dans ton espace intime. Moi, tu mérites mieux d'être avec une personne, puis je regrette. Ça s'envoie en enfer. Tu mérites mieux. Et que toi, tu n'es pas prêt, en fait, cette pierre. Faut pas me dire, mais... Mais tu mérites, c'est vrai que c'est pas mis, c'est méchant. Non, tu mérites mieux. Tu mérites mieux, bas gentiment. Franchement, tu mérites. Genre, tu veux braille, tu n'as qu'à rester à lui. Tu mérites, franchement, tu mérites mieux. Tu veux la cajoler. C'est toi, il veut me dire, mérite mieux. En tout cas, si tu as fait de regret, tu sais que je regrette. Sache que vous pouvez recommencer. Non, pas non. J'ai découvert que j'étais plus âgée que lui de 4 mois. C'était... Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Next question. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On dit son nom, on dit son nom. C'est quoi ça? Même le prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam a marié une femme qui était... une femme qui était âgée que lui de je ne sais plus combien d'années. 4 mois, c'est quoi? 4 mois. La fille n'était pas la même sur les photos. J'ai bras une semaine après. Il y a 4 fiches normales. C'est pas un pire. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ça. Mais vous, en fait, ils se sont mis ensemble dans le virtuel. Dans le jeu, on fait pas là. Ça. Ils ont mis le make-up en fait. Make-up là, rien. Ça là, petit message, les filles, arrêtez ça. Non, beaucoup de gens. Censé, sérieux. Mais ça commence à devenir chirurgie. Moi, je dis que quelqu'un qu'on peut pas reconnaître sans maquillage. Faut essayer de doser. La beauté déjà son naturel, je suis désolé. Faut essayer de doser un peu, sincèrement. De toute façon, le maquillage, c'est fait pour que quand on te voit, on sait que tu es maquillé, mais faut pas que ça soit plus toi du tout, du tout, du tout, du tout. Parce qu'arrivé un moment, ça devient une dépendance. Ouais, pour tous les jours aussi, là. Mais l'argent, un maquillage, c'est Emmanuel. Sans maquillage, c'est tout. Manu. Oui. Donc maintenant, je vais laisser la parole. On va raconter un peu nos pires motifs. Si tu as des pires motifs. Honnêtement, à part, il te mérite pas. Mais j'ai un truc en tête. Vas-y. C'est un truc que j'ai inventé. Enfin, pas inventé. J'ai écouté dans la chanson de Justin Bieber. Ok. Où imagine, genre, on dit. Où il dit, ma maman don't like you. Alors qu'elle aime tout le monde. Genre, maman t'aime pas, mais elle aime tout le monde. Tu peux qu'on se laisse. Imagine. Non, mais ça, c'est lourd de sens. C'est lourd de sens en fait. Moi, ma maman aime tout le monde. Mais toi, elle ne t'aime pas. Donc là, il faut faire qu'on se laisse. Alors que tu aimes la fille. Ça dépend de la relation que tu as avec ta maman. Moi, à l'époque, j'aurais dit, il y a toujours une bonne relation avec ma maman. Mais genre, si ma maman me disait que non, elle n'aime pas une personne, je pense qu'il n'allait pas pouvoir. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'aime pas, enfin, ça se dit pas, mais pour moi, pour situer le contexte, genre, ils m'en foutent. Parce qu'ils me rendent compte que c'est pas ma maman qui est épousée, en fait. Ouais. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, ça dépend des hommes. Si ma maman me dit qu'elle t'aime pas parce que tu es un poli, par exemple, elle te dit, ah, essaie de faire un poli, voilà. Mais c'est ta maman, elle dit, elle est un gampé, toi. Tu vois, elle est un gampé. Eh, disons. Les moments, là. Des moments, qu'est-ce que tu veux dire? Comment ils font? Mais pour ce petit truc. Et qu'est-ce que c'est? C'est pas que non, c'est pas que je l'aime pas. Moi, c'est pour ton bien, je parle. Tu connais? Tu connais mon sixième sens. Et puis, ils vont m'arrêter de ça. Ah, faut pas dire t'es pas parlé. Moi, je préfère te dire, faut pas dire t'es pas parlé. Toi, tu as un bien motif. Quoi? On m'a dit, je te bras. Parce que je voulais rendre mon mec jaloux. Genre, on arrête parce que je voulais rendre mon mec jaloux. Et genre, ça a réussi dans son lit mauvais, en fait. Vous avez la raison. Ça a pleuré. Moi. Ça m'a fait mal. Mais tu as vu ton couple. Non, en fait, on est. Moi. Non, il était trop au fond d'elle. Il y a quoi? Non, ouais. Je la voyais mal. C'est qui ça? Non, je la voyais mal. Genre, en gros, on a vu. En fait, c'est à dire. Il commence à rentrer dedans. Je suis tombé dedans. Alors que c'est un gros jouet.
grand joueur. Grand, il était un grand joueur. Mais là, il est comme ça à rentrer dedans. Il est comme ça. Il est vieux que pour là. Et on fait une confidence. Ça va mieux jouer là pour rappeler. Mon maître de maison, genre mon professeur de maison était là. En fait, je suis rentré à l'école. De l'école, dès que je suis arrivé à la maison, il était déjà là. Donc, du coup, j'ai pas pu lui dire que genre, je vais travailler. Vous avez pas grave. Non, attends. Il a dit à mon professeur, il m'a épicé. Qu'est-ce que ça veut dire? Allô, bébé, je suis en train de bosser. Là, ça m'a fait chier. Bah après, comme moi, on a CP, genre, enfin, pas, on n'a pas CP, mais genre, c'est bon. Non, mais ah, moi aussi, j'ai eu un motif. Voilà quoi. Vous avez grandi. Ça date de quelle année? 2011, pour moi. Non, il y a eu un motif bête. Ma première. C'est ça, je disais. Ah, mais oui, c'était en 2011. Parce que moi, je pense avant 10 jours. Moi, il y a un motif bête aussi. À cause d'un mec, il disait qu'il ne voulait plus voir les femmes. Oh. Ouais, mais j'avais une pensée, t'es plaît. Comme quoi? Seigneur, va ton enfant, il est chien dans quelle église? On dit, mes amis disent que tu es trop excité dehors. Comment ça? Tu es trop excité dehors. Donc tu sautes trop. En fait. Mes amis disent. Mais ça la dérange pas en fait. Ça me regarde les urgences là. Non, je peux comprendre, vous là, c'est difficile quand même, c'est pesant. Hein. C'est pesant, c'est vrai, c'est pesant. Non, imagine, il y avait pas Erico. Moi, je suis là, vous êtes, puis il y a un gars. Dès qu'on met musique. Non, c'est ma musique, mémé. Moi, c'était quoi que j'ai dit un peu la musique? Mais c'est ma musique! Non, je vais te prendre un exemple comme ça. Dès qu'on met musique. Genre, là, c'est trop. En fait, quand il est assis comme ça, tu vois qu'il est charismatique. En fait, dès qu'on met musique. Même il se lève, il commence à danser. Et puis tes amis, à chaque fois, tes amis disent que c'est ton gars, tiens. Pourtant, ce mec t'appelle. En fait, va danser. Arrivé un moment, c'est vrai que ça peut être pesant un peu. Je comprends un peu. Mais il peut pas changer ma manière de dire. C'est clair que tu peux pas. Il faut que tu trouves quelqu'un qui accepte, qui te corresponde. La personne ne te correspondait pas, c'est tout. Seigneur, voici ton offre. Ça va venir. Onction. Feu. Fire. En tout cas, Abby, je suis célibataire. Mijou Talks avec mon Instagram. N'hésitez pas à rentrer à swipe up. N'hésitez pas à swipe up. Moi, là, c'est les pires motifs. Après. Oui. Je sais pas. Attends, tu brises le cœur. Non, hé. Attends, il n'y a pas de pire motif. Il y a un motif. Eh, brise le cœur. Oui, t'as pire motif. C'est d'accord. Moi, je dis. T'as pire motif. Vas-y, dis. T'as brave, enfant. Ils t'ont dit que. Non, c'est même plus mon dieu, c'est pas toi qui parle. J'ai appris que. En fait. Non, mais c'était tromperie. Tromperie, moi je trouve que c'est pas un pire motif. Et c'est tromperie. Ces gens, on te rabaisse chez les autres. Chez les autres, ils disent qu'ils sont pas bons. Mais ils me trompaient. C'est pas tromperie. Aïe! Ils ont dragué une fille et puis ils disent qu'ils sont pas bons. Ils me trompent. Il dit à tout le monde. Oh, Mijo. Ah! Ils t'ont trompé. Ils sont pas bons. Ils sautaient pas. C'est sa carte. Ils sautaient pas. Il a dragué. Il sautait pas avec. C'est tromperie, Raïm. Il m'a trompé. J'ai bras, c'est fini. C'est fini, ben d'être trompé. Là, je ne mange pas là-dedans. C'est fini. Il a dit son pied. Ils sont plus ensemble. Mais je t'ai pas écrit. Non, mais c'est mon CP maintenant. Hein. Mais lui-même, il sait. Et je vais m'asseoir devant la caméra. Non, je ne me connais pas. Je vais m'asseoir. Avec une chanson de toi. T'as des citations. C'est pour le café. Voilà, on est à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé le moment. De toute façon, vous avez toujours demandé. Voilà, ça. Je suis là, franchement. Et maintenant, elle m'appelle plus Raïm, c'est Kiki. Parce que. Du coup, là, ça m'a rendu triste en fait. J'ai repensé à ça. Ça, t'es passé. En tout cas, les amis, franchement, merci beaucoup pour la constance. Oui, non, mais il pense que c'est mon prix. La constance, c'est ça. Quelle constance? Moi, mais je suis YouTube, hein. Bientôt, c'est ça. Quelle est la quête? C'est ça. En tout cas,
voilà, ça nous a fait plaisir. Franchement, c'était un très très bon moment. On a bien rigolé et tout. T'inquiète pas, ça va passer, bébé. Mais lui, je l'aime, pense que je t'ai dit. Ça va passer. Oh, on m'a fait bim aussi. Donc voilà, les filles. On comme ça. Les voix du Seigneur sont dans le bim. En plus, c'est passé par lui pour qu'il sache le bim. Ils ont dit qu'il y avait une poucave. C'est quoi la poucave? C'est la poucave. C'est toi? Ça a pété. Ça va péter. Bah, c'est la poucave. Moi. C'est toi qui m'as dit. Et vous la poucave. Allez, allez. C'était pas pour lui. Ah, c'est pas pour lui. C'était pas pour lui. Non, tu réduis mes jours à un bien. Bien, c'est lui. Bah, un bien mieux. Et qui. C'était pas pour lui. C'était pas son. Les gars, on va se dire au revoir. Hein. On se retrouve à la prochaine vidéo. Et puis, likez, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. En force, bro. Bisous. Tesla, les invités. Au revoir, les amis. Franchement, portez-vous bien. Et soyez beau, soyez grand, soyez beau grand. Protégez-vous en haut et en bas. Bisous.